Monsieur, dame, bonjour. Je vais vous voir de calendrier, c'est pour les pompiers. Bon, oui, c'est parce que là, on est un petit peu désargenté. Ah, on doit racheter un camion citerne, une ambulance, une grande échelle. Mais et si ça continue comme ça, quand on va nous appeler pour un feu, on va devoir dire aux gens notre camion est en panne, vous pouvez pas venir nous chercher. N'avez pas un tuyau d'arrosage à prêter? Bah oui, c'est parce que les nôtres sont tous troués. Bon, j'exagère un peu. Mais c'est vrai que parfois, on se demande où va le service public. Et regardez ma cousine. Elle est greffière au tribunal. Elle est débordée de dossiers, mais elle peut pas tout gérer. Il y a des audiences entières qu'il faut annuler. Bah oui, mais c'est plus de parler de justice, c'est de parler de l'injustice. J'ai un de mes copains qui est aux finances. Les locaux sont délabrés. Les plafonds sont percés. Paraît qu'on va rénover, mais rien ne se fait. Et en attendant, il pleut sur les déclarations. Sinon, vous le prenez mon calendrier? Non? Un bic? Une lasagne? Un porte-clé? Bon, allez quoi, un petit geste pour sauver le service public. Pompier, c'est un rude métier, vous savez. Faut avoir les nerfs d'acier. Avant, on était sur la brèche. Maintenant, on est juste dans la dèche. Bref, sans bonheur.